CREBAS, c'est un centre de ressources, comme son nom l'indique. C'est un site internet qui nous permet d'avoir un certain nombre de ressources documentaires, des exemples de projets. Mais pour nous, c'est aussi un partenaire privilégié dans le cadre de nos travaux sur la rénovation énergétique des bâtiments à caractère patrimonial. En 2020, on va continuer avec CREBA nos travaux sur l'expérimentation du label F-Énergie Patrimoine, qui est une expérimentation qui cherche à valoriser la réhabilitation énergétique et la préservation du patrimoine, donc patrimoine classé, inscrit, mais aussi tout ce qui est bâtiment à caractère patrimonial. Donc, assez large spectre finalement. On travaille sur ce sujet avec certains partenaires de CREBA depuis déjà pas mal d'années, plus particulièrement avec CREBA depuis 2017, et on souhaite donc lancer l'expérimentation dès aujourd'hui et puis la poursuivre pour au moins 2 ans et continuer après ce joli travail ensemble. Je pense que ce qui manquait jusqu'à présent et ce qu'on cherche à mettre en place depuis quelques temps et qu'on va continuer à faire, c'est de montrer des exemples de choses qui se font aujourd'hui, que c'est possible, que les gens, les experts en énergie, les experts en architecture et patrimoine ont la possibilité de travailler ensemble, mais ils en ont aussi la volonté. Donc on va chercher avec CREBA à valoriser ces projets et puis à les mettre en avant pour montrer aux politiques publiques qu'on est en capacité de faire aujourd'hui.